Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube de votre consultant épique pour les radios, la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani, la radio Puissance Max. Pour notre lundi et début de semaine, je vous ai donné le tiercé et le quarté dans le désordre 8. Dommage pour le quarté, il me manque le 16, mais celui-là, comme à chaque fois au niveau des pistes du quarté en plein Deauville, il y a quelqu'un, toujours un cheval qui vient comme ça s'immiscer. Voilà, là c'était le 16. Je vous donne quand même le couplet gagnant placé, le 2 et le 1, ainsi que le 1-2 sur 4. Voilà, et donc la semaine commence timidement. J'en suis quand même maintenant à 145 tiercés, 103 tiercés, et je suis toujours scotché à 71 quartés. Mais bon, l'année n'est pas encore terminée, mes amis. Attention, c'est la dernière semaine de l'année, mais bon, on espère toujours, on croise les doigts. Pour notre mardi 28 décembre, notre quinté, on va retourner à l'hippodrome de Vincennes, bien sûr. Réunion 1, course 1, distance 2700 mètres sur la grande piste, 16 au départ. Il y a un quinté qui se détache. Vous avez 5 chevaux qui sont largement, pour le moment, au-dessus du lot. Après, tout va dépendre du parcours, bien sûr. Ça, c'est toujours tributaire de tout ça. J'ai quand même placé en tête de ma sélection le 5 Vikens Ig Yeld avec Eric Raffin, bien sûr. C'est mon cheval du jour pour ce quinté. Il est invaincu sur la grande piste en ce moment. Donc, tous les feux sont ouverts. Je lui oppose, bien sûr, le 14 Eading référence avec Jean-Michel Bazir. C'est ma deuxième base. C'est un solide point d'appui. Je fonce. Le 6 va Prio, ma troisième base. Très régulier également. Attention à lui. Ma quatrième base sera le 4 Pinto Bob avec Monsieur Big Up. Voilà, il a largement sa place à l'arrivée de cette course. Donc, mes 4 bases pour notre mardi. Le 5, le 14, le 6 et le 4. Le 7, Fragonardello peut venir prendre une très belle place. Donc là, vous voyez, mes 5 premiers chevaux, c'est vraiment un quinté qui se détache avant le coup. Je l'ai bien dit avant le coup. Après, j'ai fini ma sélection avec 3 chevaux que j'ai choisis parmi d'autres, mais il faut bien choisir. J'ai mis le 15, Festif Charmant, c'est un très bon trouble fête. Le 8, Dominé Dream, sera mon coup de folie pour ce quinté. Et le 3, Falco Berry, mon coup de poker pour ce quinté. En cas de non partant, le 16 qui sera mon très gros regret, mais mes amis, il faut bien choisir. Bon, cheval du jour, le 5, mais de base, 5, 14, ça c'est des pénalties à coup sûr. Mon très gros coup de cœur, le 4. Beaucoup de folie le 8 et beaucoup de poker le 3. Mais 2 sur 4, le 5, le 14 et le 6. Mais couplet gagnant placé. Le 5, le 14, le 6 et le 4. Je répète ma sélection, mes amis. Le 5, le 14, le 6, le 4. Le 7, le 15, le 8 et le 3. Voilà, ça est terminé pour notre sélection pour notre mardi. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la16.fr, sur la radio rdc.fr. Et voilà, on verra bien, je vous dis, il y a un petit quinté qui se détache avant le coup. Après, tout va dépendre du parcours. Et après, j'ai choisi 3 chevaux. Voilà, c'est comme ça. Il reste quelques jours avant la fin de l'année. En espérant un petit quinté dans l'ordre, je l'espère. On croise les doigts, mes amis. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Enfoiré, le Pharaon des courses.